Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. Ok. On a une personne, vous voyez, qui a décidé, hein, de mettre fin à une situation ici. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est. J'avais plus forcément où me situer, j'étais tout le temps entre deux. Et je n'aimais pas, tu vois, comme cette position-là. On a une personne en réalité qui ne savait plus où donner de la tête. Et une personne, vous voyez, qui a décidé de mettre un stop à votre relation. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui pense. Une personne, vous voyez, qui est en train de se poser sur vous et qui est en train de mettre en lumière, vous voyez, pas mal de vos qualités. Alors, tu étais une personne bienveillante. Tu étais réellement une personne, tu vois, tu savais apporter des solutions quand moi j'étais dans le brouillard. Tu arrivais, tu sais, comme à me permettre de m'apaiser, à me permettre de me sentir bien. Et c'est vraiment quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ben, je me sens un peu frustrée. Je suis un peu dans la peur. Je sais pas trop où me mettre. Il y a une personne, vous voyez, qui est en train de se demander, mais en réalité, pourquoi c'est uniquement maintenant que je vois que tu as énormément de qualités? Pourquoi c'est juste maintenant que je réalise à quel point ben, je me sentais bien à tes côtés? On a vraiment une personne, vous voyez, qui est en train de comprendre qu'elle aurait pu mettre pas mal de choses en place avec vous. Elle vous le dira. Une personne, vous voyez, qui s'est laissée un peu emporter, hein, par les personnes autour d'elle. Des personnes, en réalité, vous voyez, qui ont pu lui mettre un film assez sombre dans la tête. Des personnes qui ont pu, vous voyez, comme lui dire des choses, hein, qui sur le moment paraissait, ouais, ben, c'est plutôt logique, hein, c'est plutôt plausible, hein, ce que tu dis. Et on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui. Écoute, c'est une personne qui ressent le besoin de s'exprimer. Une personne, vous voyez, qui ressent le besoin d'être à nouveau, hein, dans vos énergies, à nouveau, hein, de partager des moments avec vous. Je réalise que quand j'étais avec toi, j'avais pas de soucis à me faire. J'avais pas peur d'être jugée. J'avais pas peur, en réalité, vous voyez, comme de tous les contretemps, hein, qui pouvaient se présenter sur ma route, parce que j'avais l'impression d'être un peu plus fort, un peu plus forte, un peu plus sur mes appuis. Là, c'est pas du tout la même. Je réalise que tu as décidé de totalement, hein, te plonger dans le silence et moi, je me retrouve bien isolée maintenant. C'est vrai que j'ai eu besoin de prendre du recul sur la situation. C'est vrai que j'ai eu besoin, tu sais, comme de me retrouver, mais je trouve que je me suis déjà retrouvée là quand même. Oui. On parle vraiment pour moi d'une situation où. En fait, il faut qu'on arrive à donner à cette relation-ci une autre dimension. Il faut qu'on arrive à repartir de zéro. Faire comme si de rien n'était. Qu'on aille de l'avant et qu'on se construise de nouveaux souvenirs. J'ai pas l'impression que l'amour, hein, loin de toi, soit quelque chose de si magique, de si exceptionnel. C'est drôle parce que moi j'ai toujours su que m'engager avec toi, ce serait sur la durée, quelle que soit, tu vois, la personne que je suis et les comportements en réalité que je peux avoir parfois, que. Accepterait toujours. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me permet de prendre conscience du fait que
suis totalement partie dans tous les sens. Quand tu étais là, j'ai fait des pas de géant. J'ai avancé. Quand tu étais là, j'ai connu une vraie évolution de manière générale. J'ai pu réaliser certains de mes rêves, certaines de mes envies. Et je ne comprends pas pourquoi je me suis laissée emporter par toutes ces mauvaises pensées. Je ne comprends pas pourquoi je te faisais souffrir en réalité. Je nous ai mis un peu des bâtons dans les roues. On m'a laissé entendre que tu portais des masques, que tu n'étais pas la personne que tu me montrais. Cette personne avec qui j'ai partagé tous ces bons moments. Je ne me suis pas méfiée de ce qu'on me disait. J'ai tout simplement pris. J'ai même pas essayé de me poser des questions à savoir si les personnes me mentaient ou pas du tout. Non, j'ai tout simplement agi. Et avec le recul, je réalise que c'est pas toi de porter des masques. C'est pas toi en réalité, tu sais, comme de me tendre des pièges. Mais aujourd'hui, je me sens extrêmement mal de ce que j'ai fait. J'aurais dû peser le pour et le contre. J'aurais dû prendre le temps de t'en parler, de te dire les choses. Il y a une personne qui est en train de retrouver ses esprits. Et une personne, vous voyez, qui est en train de réaliser que peut-être que parfois, il faut réfléchir avant d'agir. Faut prendre le temps, vous voyez, comme de se faire son propre avis, hein, sur une situation, plutôt que de tout croire et la réalité, c'est quelque chose qui lui permet, tu vois, aujourd'hui de voir au-delà des apparences, mais on a une personne, vous voyez, qui réalise tout simplement que si elle se retrouve coincée aujourd'hui, c'est juste parce qu'elle n'a pas su vous regarder convenablement, vous écouter. C'est quelqu'un qui va venir à la communication et qui essaiera de se faire pardonner. Parce que c'est une personne qui ouvre les yeux. Alors j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.